Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo swap, comme vous l'avez vu dans le titre, et c'est un swap maîtresse. Oui, parce que j'ai échangé avec la belle Amandine de la chaîne YouTube et du Instagram La Maîtresse du Dimanche. Et du coup, on a décidé de se faire un petit swap, un petit partage comme ça, avec un petit budget de à peu près 50 euros, même si j'ai un peu dépassé, et des choses, que ce soit beauté, mais pour sa, la classe, logiquement pour sa classe, pour enseigner, pour nous aider, pour nous organiser, etc. Voilà, des petites choses. Donc j'espère que mon swap lui plaira, hein, et logiquement elle l'a reçu, mais elle n'a pas encore ouvert à cette heure-ci. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ce swap lui plaira. Je vous invite dès maintenant à liker. Et si vous venez de la part de la chaîne d'Amantine, bienvenue sur ma chaîne, qui est une chaîne beauté, lifestyle, tout ce que vous voulez, et maîtresse aussi. J'essaye de faire régulièrement des vidéos et des vlogs maîtresse. Allez, c'est parti, on lit le petit mot. Hello ma belle, ça y est, le moment est arrivé d'ouvrir mutuellement nos swaps. J'ai pris vraiment de plaisir à chercher tout ce qui aurait pu te faire plaisir. J'espère donc que tous les cadeaux que j'ai sélectionnés te feront plaisir. Moi aussi j'espère de tout mon cœur. À l'intérieur du colis, il y a le menu. Je te laisse le découvrir, je te fais des gros bisous, Amandine. Elle a fait ça avec des petits tampons et tout, trop mignon. Non mais, c'est trop rigolo, on a eu la même idée quoi. Donc le menu, il est sur une carte un peu comme ça cartonnée que moi j'ai acheté chez Action, je pense qu'elle aussi, avec un petit mot, c'est trop mignon. Alors moi je n'ai pas fait de menu comme sur la carte, mais je lui ai mis un petit mot sur le même genre de carte. Donc on a les mêmes idées quoi, c'est trop rigolo. Numéro 1 pour des moments détente. Donc que je l'avais repéré, c'est celui-ci. Je n'ai pas d'idée comme ça, mais bon là j'ai pas d'idée. Trop bien, oui, alors ben, elle est fan de cette marque là, je sais qu'elle a acheté pas mal de choses de cette marque là, donc Fitvia, c'est une cuillère, vous savez, pour mettre dans le thé, et après vous pouvez la reposer sur son support, c'est trop trop bien, trop trop sympa, moi j'aime beaucoup le thé, donc ça tombe bien. Numéro 2, avec ça, ça sera encore mieux. Ah bah du coup elle va me faire découvrir, je pense, le thé Fitvia, que je ne connais pas d'ailleurs. Donc oui, je suis une fan de thé, est-ce que je connais ou pas? Non, je crois pas que je connais ça. Non, 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 j'en ai testé pas mal de thé comme ça, mais c'est pas celui-ci, je ne crois pas. Non, non, non. Et alors là, c'est le Marshmallow Beauty Tea. Ouh, bah alors là, je connais encore moins. S'il y a vraiment des petits chamallows dedans, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Et au niveau calories, il n'y a presque rien, donc plutôt cool. A priori, bah, je connais pas, donc ça va être une petite découverte pour moi. Numéro 3, encore du rose. J'allais te dire que t'étais partie dans ce thème-là. Qu'est-ce que ça peut être? Une pochette, j'allais dire, de rangement, ou une pochette. Oh, dis donc, ça a l'air tout joli. Une petite pochette, Amazing Stuff Inside. Trop cool, elle est super grande comme ça. Alors, je sais pas du tout où elle a trouvé ça. Mais c'est super grand, super mignon. Et là, le rose, voilà quoi. Hein. Team rose, c'est parti quoi. Oui, ça fait cliché, les filles qui aiment le rose, mais moi j'adore. En make-up, en t-shirt, hein, mais pas en décoration forcément à la maison. Mais ça, c'est plutôt cool. Numéro 4, je l'ai à la maison, il est génial, ouvre-le! Alors je suppose que c'est un livre. Un livre, mais alors un livre sur quoi exactement? Ah oui! Elle l'avait reçu de la part bah, de l'édition, je crois, et je l'avais mis sur ma wishlist parce que du coup, elle m'avait donné envie de le trouver. C'est un livre, je crois, si je me trompe pas, qui a été écrit par des enfants d'une école, et donc il est à l'édition du Jasmin, il coûte 14 euros, et c'est La Quête des 7 sorciers, donc écrit par des enfants, donc elle m'avait donné envie de le lire, donc je suis ravie. Merci Amandine! Petite parenthèse, dans le livre La Quête des 7 sorciers, j'avais pas vu, mais à l'intérieur, bah oui, pour ça, elle m'avait mis Ouvre-le vite. Mais oui, à l'intérieur, c'est dédicacé par l'auteur, donc Luc Marie avec sa classe de CE2, ils ont fait ça, et donc elle m'a mis un petit mot. C'est trop gentil, Amandine, d'avoir fait dédicacer ce livre. Alors là, ça me touche encore plus. 5, c'est parti pour un moment plaisir et gourmand. Enfin, et gourmandise. Alors, vu le packaging, je sais exactement ce que c'est. Ce sont les Kinder chocolat. Alors pendant mes grossesses, j'étais juste in love de ces petites gourmandises. Maintenant j'en achète un peu moins, mais quand j'étais enceinte, j'en achetais tout le temps quoi. Donc oui, c'est les maxi Kinder chocolat comme ça, je suis ultra ultra fan. La gourmande que je suis te remercie, même si elle est en plein rééquilibrage alimentaire. 6, un peu de couleur. Alors ça a l'air d'être un papier cadeau enveloppé dans un papier cadeau, c'est bien ce qu'il me disait, de Sephora. Regardez-moi ça, la maline. Et alors, qu'est-ce que c'est? Un peu de couleur. Ah, trop bien! Ah oui, alors effectivement, c'est une palette Huda Beauty, donc de
de chez Sephora et vous trouvez, voilà, trop bien. C'est la émeraude. Alors, j'aurais jamais osé l'acheter, honnêtement, parce que les verts, j'en mets très peu. J'aurais peut-être été plus vers la bleue ou peut-être une un peu plus violine. Là, il y en a tellement de cette gamme-là. Mais alors, bah, écoute, c'est une grande, grande découverte pour moi. Ça va me permettre d'oser un peu le vert. Pardon, j'ai du mal avec les couleurs aujourd'hui. Donc, c'est la Emerald Obsession. Et oh là 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 là. Elle est divine. Elle est divine. Merci Amandine, ça c'est juste trop trop sympa, un peu de couleur. Et bah effectivement, au moins comme ça, je n'ai plus qu'à me lancer. Après avoir réalisé les swatchs de cette palette, après l'ouverture du swap et avoir réalisé un petit make-up, je vous avoue que c'est juste une petite merveille. C'est tellement pratique. Là, je sais pas du tout, vu le packaging, je sais pas. Un truc pour l'école. C'est un thermos, alors j'utilise vraiment jamais ça en fait, jamais jamais. C'est les thermos comme ça avec un le bouchon qui sert de verre. Vu que je vais être remplaçante, je l'espère, je ne suis pas encore sûre à l'heure où je vous parle, mais si je suis remplaçante, ça pourra me servir sur mes petits remplacements, etc. Sinon, je ne sais pas si je m'en servirai honnêtement parce que... je sais pas, je sais pas, c'est pas le truc que j'utilise au quotidien, je suis plus fan des tasses ou des choses comme ça, peut-être des tasses thermos, mais pas forcément ce style-là. Et puis Fleury, j'avoue que je suis pas ultra fan, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'elle me servira pour mes remplacements, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. J'en ai jamais acheté en fait jusque-là parce que ça me donnait pas envie. D'ailleurs, toi, tu m'avais dit que tu n'aimais pas non plus ce genre de choses-là. Et numéro 8, 3 cadeaux en un, je n'ai pas pu m'empêcher. Alors là, j'ai pas d'idée non plus. Hein. Aujourd'hui, j'arrive pas à réfléchir. Ah oui, trop bien, c'est des petits cadeaux. J'allais dire, c'est peut-être pour mon fils. Oui, parce que je viens d'accoucher d'un petit garçon, donc qui s'appelle Kezia. Et du coup, elle a mis 3 petits chaussures. Oh, c'est trop mignon, qui viennent de chez Kiabi, donc les petites chaussures. Petites baskets comme ça, trop mignonnes, en 3-6 mois, donc parfait. Elle a mis un petit haut comme ça, trop mignon. Attention bébé, trop mignon. Voilà, trop chou, trop mignon, je vais répéter ça 15 fois, et ça, trop mignon aussi, des couleurs peps comme ça pour un enfant métis, ça va être trop mignon, trop parfait, oui, hashtag mignon, mignonnerie du jour, avec les petites têtes qui sortent des poches là, c'est trop marrant. Alors, ce swap est fini, honnêtement, il est vraiment pas mal, après, j'ai plein de choses à découvrir, le livre, etc., le livre, bah, si j'ai des grands, peut-être si j'ai des CM, CM1, CM2, pardon, peut-être que je pourrais m'en servir en classe. Il n'y a pas beaucoup de choses pour la classe, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est un joli swap avec plein de petites découvertes à faire. Et je suis ravie de la palette, du livre, du thé que je vais découvrir parce que je ne connais pas du tout. Et merci pour les petits cadeaux pour mon crapouillot. Bon, j'espère de tout cœur que Amandine, mon swap t'a plu, que ça t'aura servi. Moi, j'ai vraiment ciblé le côté maîtresse, des choses pratiques pour ta classe, pour t'organiser, etc. Donc, j'espère que ça te servira aussi. Je te fais des gros bisous et je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à liker dès maintenant, à vous abonner si c'est pas encore le cas, pour voir d'autres swaps maîtresses peut-être, ou en tout cas voir d'autres vidéos maîtresses, organisation, rangement, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Salut !